Yoweri Museveni multiplie les rencontres à Bujumbura. Le président ougandais, médiateur de la crise burundaise, a rencontré Pierre Nkurunziza et l'opposition. Cette dernière rejette toujours l'idée d'un troisième mandat pour Pierre Nkurunziza. Nouvelle attaque imputée aux ADF Nalu dans le Nord Kivu, en RDC. 9 personnes ont été tuées mardi soir dans le village de Kainema, en territoire de Beni. Selon l'ONG CEPADO, 69 maisons ont été brûlées et 2 personnes ont été enlevées. Ebola frappe encore au Liberia. Monrovia a annoncé mercredi le décès d'un patient atteint par le virus, le deuxième depuis la réapparition de la maladie fin juin. Il s'agit du 6e cas d'Ebola confirmé depuis cette période, selon les autorités libériennes. Panique au Maroc. Plus de 80 personnes ont été blessées mardi soir à la mosquée Hassan II de Casablanca. Une femme effrayée par l'apparition d'une souris a été prise de panique, ce qui a provoqué une bousculade.